Changez. Voilà, changez. Vivre. Mais c'est quand même nul. Je prolonge pour gagner le match. Moi non, j'ai prolongé. J'ai bien échangé. J'ai pas encore 4 petits chargés. Non, on a pas eu du PO. Comme dit qu'on a changé en PO. Moi je sais pas. Non. Pas de mitz, pas de c'est en rouge. Et je dis ça à Marvin Demian, il dit on touche le maillot jaune, il va prendre.
il va jamais venir dans cette ville. Alors coach, on s'est vu mardi, comment s'est terminée la semaine de préparation pour toi? Bien. On a eu trop de pluie je pense, mais malgré tout on a pu s'entraîner jeudi soir. Mercredi on avait le rendez-vous avec notre kiné, ça s'est aussi bien passé. Jeudi on a pu s'entraîner, mettre des choses en place, donc je pense qu'on est fin prêt pour aller jusqu'au match cet après-midi. D'accord, comment tu sens? Pour l'instant bien, ça a l'air de bien se passer, ils sont arrivés, ils sont là, ils sont tranquilles. Donc je pense qu'on a tout est en place pour faire un bon match. Avez préparé la semaine, on s'est vu lundi. Dans quelles conditions du coup vous avez préparé la fin de semaine? Une semaine assez compliquée parce que avec la météo il était très difficile de pouvoir faire
une semaine complète pour remettre les choses en place. Moi, je pense que ce match, on va le jouer avec les acquis de ce que nous avons depuis le début de la saison. Et essayer de, puisque nous sommes à l'extérieur, de revenir quand même avec un résultat positif. Comment tu sens ton groupe ? Ben, quand il s'agit de compétition, pratiquement tout le monde a envie. Maintenant, je pense que l'idée du derby va stimuler encore plus le groupe pour nous permettre déjà de rebondir par rapport à notre prestation du week-end dernier. C'est pas comme quand on travaille le jeudi et puis prochain match, on se dit nous oublier nous vignes Alzheimer. Attends, on va essayer d'enregistrer pour chaque Léa nous avancer, nous franchir un pas. Voilà. On a plus avec ça les gars. Oui, il a du mal avec la droite. Non, attends, quoi, Guénala, il vous dit là. Ah ouais. Ok, allez les gars. Manu. C'est bon, 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 c'est bon,
prochaine, les gars. Yeah!
Rattrapé par rapport à la semaine dernière et on reste collé au plateau de tête. Voilà, bisous, Gal. Félicitations. Merci. C'était pas un grand spectacle aujourd'hui, mais nous non plus, et on a perdu ce match. Je suis désolé pour tous les joueurs qui ont vraiment voulu gagner ce match, ils ont tout donné, mais avec quelques 0, voilà, à R1, il faut la moindre erreur, ça prend cash, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord, ok. Vous avez un blessé qui est sorti, j'ai pas vu qui c'était, vous avez déjà qui c'est. C'est Yann, notre latéral gauche, qui s'est blessé, qui a pris un coup au genou, ce genou a tourné, je ne sais pas trop, c'est l'action, c'est un tac. Il n'y a pas faute de l'adversaire, hein. c'est un duel. Et je ne sais pas exactement ce qu'il avait par rapport à son genou, mais j'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un joueur qui nous a fait défaut aujourd'hui facilement. Alors le match est à peine fini, qu'est-ce qui vous a passé en mode récupération? Ouais, c'est ça, c'est soigné les petits bobos qu'on a repris pendant le match. On n'a pas que. En fait, pour limiter en fait les. Comment dire,
c'est un pion quoi. Et pendant qu'on est là, je poignais, je compte plus. Et après, il y a des méchants. Mais c'est fini. D'accord, tu penses que tu auras envie de revoir dans la semaine quand même? Ça dépend de comment il se sent à l'entraînement, lundi, mardi. Il va médian, parce que comme je dis, quand je suis tous les jeudis. Et je dis en fonction de comment il se sent, je pourrais le revoir au moins sans plus stabiliser le genou ou sinon faire un peu d'exercice. Mais après, comme il me disait, c'est surtout des coups. Donc je ne pense pas que ce soit une problématique. Ah, c'est super, on avait besoin de ça pour pouvoir rebondir parce que la seconde dernière, on s'est vraiment passé à côté. Donc là, en fait, pour cette journée, on va dire que l'objectif a été atteint, surtout par rapport aux résultats qui ont été faits. C'était X-buteur, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Ouais, ça n'a pas suffi. J'avais l'occasion de doubler la mise. Malheureusement, j'ai raté la deuxième occasion. Ça se paye cash. On va continuer à travailler, c'est pas la fin du championnat, le championnat a tout débuté. Après il faut qu'on se reprenne, effectivement, parce que c'est une ou deux défaites au final, mais il faut qu'on recommence à travailler, puis on va repartir de l'avant. C'était quand même un match avec un enjeu particulier, le derby. Alors pour certains, c'est quelque chose d'exceptionnel, pour d'autres non. Toi, comment tu prends une défaite pour Robert, face au Robert? Ben voilà, le derby c'est contre le club de la ville, le club pour lequel on a été formé, donc ça a une saveur particulière. Après, c'est 4 points qui s'échappent, donc il faut qu'on se retrouve très vite pour la suite du championnat. Et